Le mot hackathon, ça vient du mot hacker et du mot marathon. C'est un événement qui dure 1 à 2 jours, pendant lesquels des équipes de volontaires cherchent des solutions innovantes à des problèmes bien identifiés. Cela permet d'accélérer des idées pour les transformer en projets, le tout en rassemblant une multitude de talents, d'énergie et d'enthousiasme. Le but, c'est vraiment de mettre un pied en dehors de sa zone de confort et de penser out of the box. L'idée, c'est de dynamiser les filières du sport outdoor et du digital des nouvelles technologies. C'est aussi favoriser l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur et la transdisciplinarité dans cette discipline. Et puis enfin, c'est créer de la valeur ajoutée et de l'emploi sur le territoire du Grand Genève et plus particulièrement du Genevois français. J'ai décidé de participer au hackathon parce qu'en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, je n'ai pas été touchée par le burn-out, mais pas mal de mes collègues, oui. Et actuellement, il n'y a rien d'existant dans ce domaine. Et être ici, ça permet de créer ce projet. Je suis venue au hackathon parce que j'avais une idée. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'entre l'idée et la mise en place de l'idée, il manquait des compétences. Et le hackathon va me permettre de rencontrer ces compétences que je n'ai pas. Très grande synergie d'équipe, vraiment un beau travail de groupe, c'est chouette et on va continuer à travailler ensemble. Le hackathon m'a apporté des compétences variées, des rencontres humaines qui ont permis de structurer, de faire aboutir le projet et de gagner la première place.